Le nord de Londres en proie à des émeutes urbaines. Deux voitures de police et un autobus ont été incendiés hier soir dans le quartier de Tottenham lors d'affrontements entre environ 200 personnes et les forces de l'ordre. Des vitrines ont été brisées, des boutiques pillées. Un mini chaos qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Au moins 8 policiers ont été blessés. Ces émeutes interviennent après la mort jeudi de Mark Dugan, un jeune homme de 29 ans, lors d'un échange de coups de feu avec les forces de l'ordre. Il était reconnu dans cette communauté comme un homme non violent. Sa mort a provoqué une véritable onde de choc. La foule en colère a attaqué la police à coups de projectiles. D'importants moyens ont été mobilisés. Tottenham avait déjà connu des émeutes similaires en 1985.